Ouais, moi je fais les basses. C'est mieux comme ça. Donc, ça y est, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette deuxième partie de Disaster. Un jeu qui, d'une, me rend con. Parce que, en fait, je suis devant vous avec ma Wiimote et je fais des choses comme. Voilà. Et ça, c'est magique. Temps de tir, je voulais essayer ça. Alors, je vous le rappelle, ça, c'est un mec qui me l'a donné. C'est un gars que j'ai croisé. Le gars se tenait tout droit sous un immeuble alors que tout s'effondrait. Je veux dire, le mec a soit de l'inconscience, soit il a des couilles énormes, ou alors une envie de suicide. Mais il m'a dit, ah tiens, puisque tu m'as trouvé, je te donne, avec sa canne, je te donne une invitation au stand de tir, et tu pourras gagner des armes. Et moi, ça m'intéresse de gagner des armes, donc on va essayer ça. Stand de tir projectile. Je vais peut-être gagner des shurikens. Ça serait parfait. Ça irait tellement bien avec le côté nanar du jeu que c'est que ça. Merde, quoi. Détruisez toutes les cibles en 18 lancers ou moins. PB nécessaire pour débloquer les projectiles, 1800 PB. Ouais. Particularité, la trajectoire des projectiles décrit un arc de cercle. Visez bien avant de lancer. Alors pour l'instant, je ne sais pas de quoi il veut parler. Merde, c'est un Tetris. Ah oui, effectivement. Genre, c'est un chamboule tout, ça veut dire que si je vise les trucs du bas... Oh putain. Ah, c'était beau. Ceux du haut se pète pas la gueule, en fait. Ce duo se pète pas du tout la gueule. Alors peut-être s'ils sont plus maintenus, ça tombera. Oh bah ouais, là. Non. Bon bah, c'est les plus gros qui rapportent plus de points. Il m'en a rapporté... Non, ça doit être les plus petits qui rapportent plus de points, c'est logique. Oula. Ah mais non, mais si j'arrive à en avoir deux, c'est classe quand même. C'est quand même un peu dur, quoi. Oh là, il y en a deux rouges. Il faudrait que j'arrive à les avoir tous les deux. Putain. Combien de... Je peux recharger ou pas mes pierres? Non, je peux pas recharger. Il y a marqué que c'est limité de zoom, en fait, c'est une arnaque. Tiens, celui-là, là. Putain, ouais, c'est bon. Là. C'est comme ça, si je touche pas le rouge, j'aurai au moins l'orange. Ce qui me fait 1320 points. J'en ai encore? Non, c'est fini. Combien il fallait que je fasse? Je sais pas si j'ai réussi. En visant au milieu, là, comme ça, ça marche bien. Attends, là, ça va marcher quand même. Putain! Oh, putain! Ouais, d'accord, je vais essayer de faire ça. Genre, je me mets mieux au milieu, tu vois, de deux pièces. Et même si je touche des pièces toutes pourries, bah, au moins, j'en touche deux à la fois, quoi. Il est très bien, ce jeu, en fait. Pas aussi nanar qu'on me l'avait dit. Oh là là, regardez ça. Oh, alors là, c'était magnifique. J'ai du mal à croire que je suis en train de jouer à... en boucle à un jeu où on doit lancer des cailloux. Putain. Ah, j'ai gaspillé une pierre, là, je sais pas si ça... Oh. Oh. Oh oui. Oh, c'est bon. J'ai les points. Je suis trop fort en fait. Regardez, je vais même niquer le game. Je vais dépasser les 2000. Bah, on va pouvoir faire le vrai jeu. Je suis désolé. Ça m'aura pris exactement 20 minutes pour réussir ce jeu. Or qu'il est pas difficile. C'est bon, j'ai réussi. Ah, vous avez obtenu les projectiles. Non. Mais c'est quoi les projectiles en fait? Ils m'ont pas dit. Optimiser. Alors, c'est peut-être d'optimiser pour charger les armes. S'équiper, voilà. Vous disposez de 4 placements pour vos armes, évidemment. Qu'on choisit avec la croix directionnelle. Et... Ah, projectile. C'est une blague? J'ai vraiment gagné les cailloux? Et je peux augmenter la... Je peux augmenter la puissance de mes cailloux? Mais puisque j'ai un flingue avec des munitions illimitées, pourquoi je leur lancerai des putains de cailloux? Ça me sert à quoi? Attends, je peux optimiser les cailloux.
Là-haut, tiens, c'est ça. Je préfère que mes cailloux soient plus puissants. Wouah! Combien juste de PV pour ça? Coût 450, ouais, ça vaut rien, quoi. Et je peux avoir des cailloux de puissance 18. C'est hallucinant, dites-moi. Ah, merde! J'ai fait tout ça pour ça? Mais je comprends pas le pourquoi. Moi, je pensais que c'était un entraînement, que du coup, on tenerait... je sais pas, des projectiles, des grenades. J'ai eu le droit d'utiliser des cailloux. Allez, on va y aller. Niveau suivant, putain. Merde, cailloux, quoi. S'il te plaît. Ouais, ça va, je continue avec ces armes. Je continue avec mon caillou. On va essayer d'en lancer après les ennemis, d'ailleurs. On va lancer des cailloux sur les ennemis. Alors, attention. Putain, cette démarche. Alors, attention. Je prends... Alors, la prochaine fois que je prends les cailloux. Ah bah ouais, je les ai gagnés. J'ai mis 20 minutes pour obtenir mes cailloux. Je vais les utiliser. Merde! Mes gars, prendre un peu d'air. Voilà. Respire. Allez. On dirait vraiment une pub pour un déodorant, quoi. Fraîcheur Narta. Allez, on y va en cours! Ouais, par contre, attends, pète tes poubelles. Ah, ça c'est important en plus, c'est des kits de soins et tout. Les gens jettent n'importe quoi de nos jours, quoi. Si les gens savaient ce qu'ils jettent en jetant leur kit de soins. Pauvres imprudents. Allez, vas-y, cours. Normalement, quand on court, on ne peut pas, comment dire, encrasser nos poumons. Et attention, c'est le moment du caillou time. C'est formidable. Tiens. Pardon. Je dois recharger mon caillou. Tiens. Mais... t'es mauvais avec le caillou, mec. Non, mais je veux... au moins tuer un gars avec le caillou. Oh putain! J'ai fait un headshot du caillou. Je recharge mon caillou. Ah là là, j'avoue, le caillou contre le casque blindé du mec qui a une armure digne du SWAT, c'est David contre Goliath, quoi. Hein. Sauf que moi, j'ai même pas la fronde, tu vois. Je lance mes cailloux comme un gros pauvre avec mes grosses mains de maçon, là. Ça y est, c'est bon. Lanceur de cailloux simulator. Oh putain. Il y est passé en un coup. Ouais, bon, on va reprendre le flingue, hein, quand même, parce que, bah... c'est quand même un peu plus efficace. Tiens, je vais même prendre... non, pas le fusil à pompe, parce que c'est un peu de la merde. Par contre, ça, ouais, j'aime bien la mitrailleuse. Et ça, ça fait du dégât. Comment qu'on fait pour zoomer aussi? Voilà, hop. Merde! Mais il est sorti comme un fou de l'angle, quoi. Comment je pouvais le voir, lui? Hé, il y a déjà quelqu'un à sauver. Bonjour. Je vais vous aider. Il y en a trois à sauver ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, attention, martelage! Utilisez votre force! Je suis Kratos, dieu de la guerre. Ah, même pas un merci? Ah si, quand même. Merci de m'avoir porté ce quoi. Allez, bah casse-toi en rampant, mec. C'est un jeu quand même incroyable. Mais j'aime bien, hein, c'est vrai. On dirait... c'est marrant parce que le ton global est hyper sérieux alors qu'en fait c'est hyper comique, quoi. Ta merde, le fait de nous donner des cailloux, enfin c'est... c'est pour ça que j'aime bien les jeux japonais, moi. Il n'y a que pour avoir ce sens du second degré, même dans les situations les plus critiques, tu vois. Allez. Regardez, putain, mais cette posture de BG, quoi. Le mec, il avance comme ça avec les... oups, avec les pectoraux bien braqués.
Oh putain, il y a Solid Snake. Je l'ai eu. Oh là, oh là, oh là. Je peux pas me faire... Je peux pas faire du zoom, là. Si, si, il va faire... Il a... Il a... Il a... Il m'a fait peur, ce con. Hop, hop, hop. Combien de balles il me reste? 70, c'est bon. Deux chargeurs. Un peu plus, même. Bon, là, au moins, je suis à peu près sûr qu'il n'y en a aucun qui va se ramener avec un... Un lance-roquette. Ils sont pas suffisamment cons pour ça, quand même. Ils vont pas utiliser le lance-roquette dans le métro, quoi. Alors, attends, il faut... Ouais, moi, j'essaye toujours de choper des gens pour les aider, quand même. J'en ai pas trouvé beaucoup, je trouve, depuis le début. Ah, là, il y en a un dans le métro. Je l'ai vu. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'encrassage de poumons. Et vas-y, mec. Les cailloux ne t'arrêtent pas. D'ailleurs, tu pourrais les porter pour les lancer aux tes ennemis. Tu es devenu un spécialiste maintenant. Allez, vas-y, qu'est-ce que c'est, ça? J'attends que la fumée se dégage. C'est dégagé? Je suis sûr que vous pouvez vous en sortir. Mais cette blessure m'empêche de fuir. La blessure n'est pas si grave. Avec des pansements, ça devrait suffire. J'ai des pansements. Bah voilà. Can you walk? Hop, en plus, c'est un kit de soins pas trop... c'est ceux dont je me sers le moins, hein, les jaunes. Donc c'est cool. Ah là. Merci Salami, regardez, c'est Marvin. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Mais c'est vraiment Marvin, je trouve. Même la tenue, quoi. Bon, je vais chercher un abri. Vous aussi, faites attention. Et allez. Encore un pas de plus vers... vers mon... Comment dire? Mon but de devenir le meilleur sauveteur. Un jour, je deviendrai le meilleur sauveteur. Il y a qui... Non, mais non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il n'y a plus de... Ouais, il y a quelqu'un ici, regardez. Ouais, je pense que c'est de l'autre côté, que je dois continuer mon chemin. Est-ce que je peux aller là? Ah, mais oui, il y a des... C'est fermé, ouais. La clé doit être dans le coin. Ah, ah. Ok, ça va. Il a décrassé tous ses poumons, il est content. Hop, 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 hop. J'ai plus de... d'endurance, là. Merde! Ah non, j'ai cru que je m'étais enflammé. Hop. Ok, on est bon, on est bon. Ça veut dire que si je récupère la clé... Ah! Ça vaut le coup! Ah, mais je suis même pas fait toucher, quoi. Si je récupère la clé, ça veut dire que je vais devoir repasser par les flammes. Non, mais je sais pas, je l'ai peut-être oublié, la clé, puisque... Là, je vais dans une sorte de réserve. Alors, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, un lance-flamme! Enfin, je crois. Ça sert à éteindre un incendie. Ah non, c'est l'anti-lance-flamme, j'avais pas vu. J'en ai déjà utilisé. C'est un extincteur... enfin, on dirait l'extincteur de Ghostbusters, là, quoi. Un pack à protons. Oh, la clé! Voilà, clé de la station. Mais, examinez. Ça doit être le panneau de contrôle de la station. Ouais, il s'en fout. Je peux pas le prendre? Mais pourquoi tu en veux pas? Ça a l'air cool, non? Bon, non, il en veut pas. Ok, rien à faire, pas moyen de l'ouvrir. D'accord, en fait, j'ai pas le choix que de revenir en arrière. Ce que j'avais dit, le jeu est quand même... Éteins-toi, est quand même un tout petit peu linéaire, quoi. T'as pas vraiment le choix que d'aller là où on te l'impose. What a mess in here. Quel bordel. Encore là, t'as vu que les tuyaux, monsieur. Ah putain, mais il y a une autre station à côté. Ah, et là, il y a un blessé. Ok. Alors attendez, je regarde là. On va détruire ce petit truc. Oh putain. Un petit gigot. Il traînait dans une poubelle, c'est bon, je peux le manger. C'est pas grave. Oh putain! Ni! Tu brûles! Secourir! Eh, la fille, elle s'est pris un retour de flamme de malade, quoi. Ah ouais, là, va falloir arroser, mais il va falloir arroser plus que la blessure, je pense. Alors attention.
C'est la cuisse qui lui fait mal. Et donc maintenant, bah quoi? Ah, il y a plusieurs endroits, d'accord. Très bien. Alors, faut trouver là où il y a la blessure en nettoyant. Ah, là, il y a une blessure. On y est. C'est tout? La douleur m'empêchait de bouger. Je vais me débrouiller seul maintenant. Merci. Tant mieux. J'aime bien le. Tant mieux. J'imagine trop le mec dire ça. C'est vraiment la scène, hein. Je vois. Le gars, il est derrière. Tu vois. C'est juste comme ça, il le regarde. Il fait... Tant mieux. Avec son petit collier de barbe. Voilà. Tu fais un peu chaud dans le métro. Que dois-je faire? Que dois-je... Bah ouais, attends. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit passage ici. Alors, je regarde de partout. Pour l'instant, on n'est pas trop emmerdé par les mecs du... Bah, les gars avec des flingues. Voilà, je sais plus exactement comment s'appelle... comment s'appelle le groupe... terroriste ou je ne sais quoi... auquel ils appartiennent. Ah bah tiens, bah pour eux, voilà, ouais, là, les cailloux, ils s'en foutent, hein. T'as, j'ai un mec qui est capable de détruire des cailloux avec les pieds. Par contre, pousser un rocher derrière, derrière une porte, tu vois, c'est pas possible. C'est pas à sa portée. Ah, demande de renfort. Eh, ça va, je me débrouille bien, hein. Mais faut dire que, voilà, cette arme est juste trop bien. Putain. Ah, je perds un peu de vie quand même. Il me faudrait que je trouve un autre roast beef dans une poubelle. Oh merde! Ce qu'il fout là, lui? Le gars qui vient ici avec son lance-roquette, s'il te plaît. Je pensais pas qu'il y en aurait de suffisamment con pour ça. Ah, personne n'a l'air en danger ici. Ouais, donc c'est bien ça. Quand j'ai vu qu'il y avait 3 personnes en danger, c'est 3 personnes dans la station entière, quoi. Et effectivement, j'en ai sauvé 3. Le compte est bon. Parfait. Vas-y, pisse dessus, Manu. Ça brûle! Ça brûle! C'est la soirée un petit peu alcoolisée d'hier, retour de flamme. Ça me rappelle un jour quand je me baladais avec des potes et on avait trouvé une poubelle qui cramait devant un McDo. Et elle menaçait de... Elle était juste à côté de bagnole et elle menaçait de les toucher, quoi. Les flammes menaçaient de toucher la bagnole. Et donc, mes potes ont pris sur eux de pisser sur la bagnole. Pour éteindre... Sur la bagnole, oui. Et la poubelle, surtout. Pour éteindre le feu. Et je me souviendrai toujours du premier qui a fait ça, là, qui a été vers la poubelle, comme ça. Vous voyez, la posture classique. Et au moment où il a pissé, en fait, il a eu un retour de flamme qui est venu à lui. Il a reculé en même temps. Et en même... Mais quand même, les flammes lui ont touché. C'est-à-dire, il ne l'a pas dit sur le coup, mais après, il marchait un petit peu, il marchait pas droit, tu vois, il sentait qu'il avait mal. Et ouais, ça lui avait cramé un petit peu la zigounette. Donc voilà, les bonnes histoires de tonton Bam. Ce même gars qui d'ailleurs un jour m'a appelé à 3h du mat pour me dire, tu vois, j'ai fait un câlin à ma copine. Et j'étais dans un jean trop serré, du tout, je me suis torsionné une testicule. Alors, pansement pour les... Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? J'ai pas fait attention. Madame, mon... Ah, elle veut des gâteaux. Ah, donc à 3h du mat, allô? Ah, c'est moi, je suis à l'hosto, là, on est en train de me masser les boules. C'est tout un concept. Tiens, prends tes petits gâteaux. Il faut toujours avoir des petits gâteaux sur soi. Merde, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Je me demande si j'aurais l'affaire. Elle veut peut-être 2 gâteaux? Eh oh, mais ça va! Et le régime? Ça fait du bien de manger, mais je me sens toujours si faible. Je ne sais pas si je pourrais marcher pour rejoindre mes amis. Est-ce que... Ah bah attends, on va lui donner de ça. Là, une petite injection. On va la doper, en fait. Elle va courir jusqu'en Asie. Elle va marcher sur l'eau, quoi, avec ça. Comme il l'a relevé. Merci beaucoup, je vais retrouver mes amis. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, très bien. Je vous remercie. Prenez soin de vous.
mayor, it's not safe anymore. We've got to get out of here. What good is a mayor who would abandon an injured citizen? Oh putain, le maire badass quoi. J'espère que je vais changer de personnage et qu'après je vais avoir lui. Regardez, il soulève des petits cailloux. Alors que moi je les lance. You don't have to worry about me. Save yourself if you must. Mais tu vas te faire mal au dos, allez. Stop, c'est bon. De toute façon, tu vois, ça sert à rien de dégager le... Voilà, je pense que... Je pense que tes citoyens vont devoir raquer un petit peu hein, cette année pour refaire la chaussée. Hein. Tu peux libérer autant de cailloux que tu veux, ouais, ce n'est pas très utile. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs? Pourquoi ils touchent à ces gravats là exactement? Ah, il y a quelqu'un de blessé là-dessous. D'accord, je l'avais pas vu. Mais confuse. Donc quand vous soulevez des décombres avec le maire, vous devez coordonner vos efforts. Putain, ça va être relou ça encore. C'est comme quand on essaye de leur choper la main là. Écoutez bien le décompte du maire et appuyez sur Z au bon moment. Très bien, je l'ai, j'ai Z. Okay. Count to three, on compte jusqu'à 3 et on soulève. Ok, bah normalement c'est faisable. 1, 2, 3. You're lifting too soon. Timing is everything. Mais mets ta gueule, t'as mis tri alors j'ai. 1, 2, 3. Mais merde! Vous l'entendez comme moi quoi. Bon, on va attendre un petit peu. 1, 2, 3. You're lifting too soon. Timing is everything. Tu le dis à 3 ou tu le dis après 3? 1, 2, 3. You're lifting too soon. Timing is everything. One more try. 1, 2, 3. Ah, pardon! Ah, mais il y a un QTE! Ah, mais c'est trop simple, il y a un QTE! Eh bah Frédéric, il a quand même beaucoup de chance si on arrive à le sauver, hein, parce que ça s'est pas passé aussi bien que... Ah merde, c'est vrai, ça s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. Hein. Allez, on réessaye. Il est quand même badass le maire, je veux dire. Voilà. Le gars, il a un certain âge, il aide ses concitoyens. Il se salit les mains, quoi. Moi, je pense que je voterai pour lui. You're safe now. Just relax. Could you please take him to West Park for me? No, I'm really sorry, but I can't. I'm after an armed group. For some reason, they're deployed. C'est Juppé-san. He's probably in danger if he stays with me. An armed group? I thought it was the military showing up for disaster relief. I'll explain later. You need to get out of here now. I see. All right, I'll take him. You get to West Park as fast as you can. Yes, sir. Okay. Come on. Fire everywhere. Fire everywhere. I'll be burnt to death if I don't do something about it. Ok, oh! Un petit peu de pastèque, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ah ouais, mais c'est classe! Hey, et vous? Hello. Quoi? Mec, parlez. Oh putain! S'il vous plaît, vous pouvez éteindre ce feu? La chaleur est trop intense, on ne peut pas sortir. D'accord, j'arrive. Oh merde, il y a des boutons partout. Merde, il n'y a pas de lance. Ah mais je sais où il y a une lance. Voilà, exactement, merci cinématique. Il y a une gamine là-haut, vite! J'arrive, je vais faire le plus vite possible! Regardez, je cours, regardez comment je cours! Regardez, regardez! Mais pourquoi tu t'es vautré? Mais t'es con, t'as encore de l'endurance quoi! Allez, vas-y! C'est une lance, faut que j'y retourne vite. Oh putain, je pensais que j'aurais un QTE pour arracher la lance! C'est genre, je dois tourner ou je sais pas quoi. C'est pour dévisser la lance. Attention! C'est bon, j'y suis. Secourir. Lance à incendie utilisé. On dirait la musique de Pokémon.
C'est Bellet. Ta-da-da-da-da-da, le recul à l'attaque. C'est au début. Je crois que c'était dans le dessin animé qu'il y avait cette musique, quoi. Alors. Je dois vite éteindre le feu, sinon ça se propage. Très bien. Mais c'est de la merde, cette lance. Oh là là. Ça, je sens que le pompier, là, il va finir en méchouille avec la gamine. Parfait. 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 Oh là là, il y a un... Oui. On dirait les bougies là qui. Les bougies d'anniversaire de merde là que à chaque fois que tu souffles dessus elles se rallument. Et chaque fois que j'en éteins une, il y en a une autre qui se rallume. Bon, celle du haut elle a pas l'air de se propager. Enfin, pas trop. Allez. Y a pas beaucoup de pression hein, sur la lance des pompiers. Je trouve que le flux s'éparpille un peu trop. Ça y est. Ah putain merde. Allez, là ça va aller. Non, ça va pas. Parfait. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller rattraper. Ah non, bon, ok. Ouf, vous m'avez sauvé. Et l'enfant aussi. Merci. J'emmène la fille en lieu sûr. D'accord, faites attention à vous. Ouais, très bien. Bon, je pense que pour l'instant, j'ai raté aucun survivant, quoi. On dirait qu'il n'y a personne à sauver dans le coin. Bah parfait. J'aime bien entendre ce genre de phrase, c'est rassurant, ça me donne espoir en l'avenir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, vas-y. Saute. Hop, 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 hop. Attends, c'est quoi que j'ai vu? Des tornades de feu? Vous êtes sérieux? Il y a toujours personne à sauver. Parce que je sais pas s'il y a personne à sauver dans le niveau maintenant, ou dans la zone. Ah putain, on va devoir péter un caillou. C'est toujours aussi ridicule de voir ça, quoi. Le gars, ça lui pose pas trop de soucis, en tout cas. Shit, here comes trouble. Ouais, évidemment. Oh putain, ils ont des... ils ont des tourelles, eux. Oh là là. Je vais quoi? Ah, ok. Comme ils sautent avec leur bagnole. Oh putain! Merde! C'est quoi cette arme? Je sais pas si. Je crois que je l'ai eu là, en tirant sur l'espèce de missile. Putain, merde! Mais il me roule dessus, bande d'enculé quoi! Oh! Oh! Oh, parfait! Ah, je lui ai fait trop de dégâts là. Ouais, il faut que. Non mais. Il faut que là il m'envoie. Voilà ça. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils dansent. C'est une attaque synchronisée quoi. C'est magnifique. Ah putain, ça va être trop long pour. Qu'est-ce qui se passe quoi? Je suis mort! Qu'est-ce qui s'est passé? Fin de bataille, il est mort. Merde! Oh, oh! Attends, lui il est quasiment. Il est quasiment vide. Ok, je me concentre sur lui. Merde, j'ai plus de balles. C'est lequel? Merde, j'avais pas vu que j'avais lancé un truc. Fusil à pompe. Nickel! Non, non! Mais. Mais merde! Si c'était le vrai Gladio dans Final Fantasy XV, il se serait déjà vénère, il aurait sorti sa grosse pelle à tarte là. Et le mec serait déjà mort, je vous le dis moi. Alors, attendez, il fait son attaque tourbillon. Tu crois que le mec. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'il va invoquer une tornade. Ok, il est presque mort hein. Je vais reprendre mon fusil à pompe, parce que c'est le moment où il va faire... il va dévoiler son petit point faible. Bim! Voilà, là, il va... Il va m'attaquer. Regardez, hop!
Il recule. Et là, c'est l'heure de ta mort. Et bim, monsieur. C'est comme ça qu'on détruit des Hummers. Oh. Il l'a dit déjà. Fire everywhere. Faut que je sois à l'abri. Une voiture, ça devrait le faire. Oh putain, dites-moi qu'on va avoir une autre séquence de conduite. Les séquences de conduite, j'ai trouvé ça cool en fait. C'est hyper linéaire hein, et tout, mais... What? Mais comment je fais pour y aller? Ah. Non. Il faut que je détruise des trucs sur mon chemin. Espèce de... Mais putain de touriste, pourquoi tu passes pas par-dessus, quoi? Évidemment, j'ai un timer. Bah oui, y'a pas de timer, c'est pas marrant. Examinez. Qu'est-ce qu'il y a? Le parc est par là. Avec la voiture, je pourrais passer par-dessus. Oh, attendez, bah écoutez, puisque j'ai le temps, je vais détruire les caisses. Qu'est-ce qui se passe? T'es en faiblesse? Depuis quand t'arrives plus... Ah, ça y est! Depuis quand il arrive plus à détruire des trucs en trois coups, lui? Non! Mange pas ton lézard! Lézard? Mange pas ton lézard, maintenant! Je peux pas! Parce que je suis en train de mourir! Ah si, c'est bon! J'ai fait n'importe quoi, je le reconnais. Voilà, oui, c'est bien ça. Là, il veut bien, quoi. Putain, il est lourd. Ah putain, j'ai cru qu'il fallait chercher les clés. Ah oui, puis il faut démarrer et tout, j'aurais jamais eu le temps tout à l'heure. Salut! Heureusement qu'on n'a pas la pédale de frein, là. Sinon, je... Attendez, regardez, je vais le simuler. Pas la pédale de frein. L'embrayage. J'appuie là. Allez! Et bah voilà. Heureusement, il y a Carglass. Allez, tape dessus, c'est bien. Ça marche, comme dans Retour vers le futur. Exactement, même lui, il y croit pas ses yeux, quoi. Allez, on y va. Bah, tiens, je vais voir si je peux pas optimiser quelque chose. Ou améliorer mes compétences, tiens. Alors, attendez. Métabolisme, c'est quoi ça déjà? Capacité de ré récupérer de l'énergie grâce aux aliments. Bah, allez, on va le faire. On va le faire quand même un petit peu. Compétence de ré en combat. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire compétence de ré en combat. Pour l'instant, j'ai pas eu de combat à main nue, tu vois. Donc, je sais pas. Influe sur combat à main nue, donc ça va exister. Il y en aura dans le jeu. Allez, on va faire ça. Notre ré, c'est un bon gros bourrin, tu vois. Donc, il a besoin de beaucoup de force. Parfait. Non, le feu est là aussi. Il n'y a pas d'autre way. Juste have to keep going. Ok. Très bien, monsieur l'arbre. Merci. Ah, il y a un survivant ici, dans cette zone. Personne n'a l'air en danger ici. Mais si, tu le sais. Ça a été dit au début du niveau, monsieur. Bon sang, le feu est partout, ouais, j'avoue. T'as ce feu sur oui, quoi. Je pense qu'à l'époque, c'était déjà dépassé, quand même. Ça devait déjà être moche à l'époque. Parce que sur oui, il y a des jeux, franchement, qui sont pas moches. Mais là... Qu'est-ce qui se passe? Dead end. Holy shit, look at that! Oh merde, une tornade de feu, quoi. Shark Fire Nado. Putain, ne dites pas qu'on va devoir courir, s'il vous plaît. J'ai pas la force, là. J'ai pas la volonté. Oh, regardez, il y a Marvin au premier plan. Vas-y, t'as un mur devant toi, détruis-le à main nue. Putain, voilà.
Voilà Iron Man qui arrive. Le maire, c'est trop un super-héros en fait. C'est la seule issue. Je vais devoir faire quoi? Faut que je dégage ce bus. Je m'attendais. Je sais pas ce qui va se passer, mais je m'attends à tout quoi. Je dois trouver du monde pour m'aider. Je dois fouiller le parc. Ah d'accord, je dois rassembler des gens. En fait, c'est une partie de Pikmin. Retournez au parc et appuyez sur Z pour trouver d'autres personnes. Ouais, Z, c'est bien ça. D'accord. Toi! Ah d'accord, bah oui, on va pas parler aux gens qui nous aident déjà. Oh putain, c'est quand même un peu le bordel. Votre jauge d'endurance devient orange dans les zones chaudes. Mangez régulièrement pour maintenir votre force. 5 fruits et légumes par jour, attention. Mes chers concitoyens. Ah putain! Oh, y'a un gars sauvé là-bas. Gardez. Ah non, c'est une fuite. C'est fait. Bougez le bus. Je suis désolé, mais je dois rester ici. Bougez le bus. Je dois rester ici. Mais quoi que si lui arrive? Faut que je fasse... Je dois rester ici, mais t'es un peu en train de mourir, quoi. Je dois faire quoi? La tornade doit être proche de ouf. Et moi, je suis toujours en train de chercher des gens. Ah, tiens, eux, s'y foutent. Il lui fait sa demande en mariage ou quoi? Tout le monde fuit ensemble. On va vous aider aussi. Vous pouvez utiliser ça. Il faut fuir ensemble. C'est quoi? Ah, c'est cool. Il m'a donné un kit de soins. Je dois continuer à chercher. Mais pourquoi la fille, là, ne veut pas m'aider? Genre, si elle veut que je lui donne du biscuit, ça peut s'arranger, hein. Ça va, c'est pas un souci. Ah, tiens, voilà des gens encore. Ah, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être sa fille à elle, ou je sais pas quoi. Et du coup, elle veut plus bouger. Même si on part avec vous, rien ne nous garantit que nous serons saines et sauves. Je préfère m'en sortir seul, laissez-nous. Mais ta gueule! Mais c'est quoi ce monde où les gens ne veulent pas qu'on les sauve, quoi? Ah, là, il y a quelqu'un, là, non? Ah, non, c'est un panneau. Ah, mais il y a quelqu'un là-haut! Je l'avais pas vu, lui. On va tellement mourir. Je vais encore faire n'importe quoi. Oh merde, putain! Je vais encore faire n'importe quoi dans cette épreuve. Je le sens, mais. Trop bien. Alors. Ah, d'accord! Ok, vas-y, mec! Il est en PLS, le gars. Ah, putain, t'as vu ce plan avec la tornade qui arrive derrière. Quoi? Vous aidez à bouger le bus? Ouais, je vais faire mon mieux. Ah, bah voilà! Quelqu'un qui a un minimum de volonté, quoi. Ah, alors, là, je pense que c'est bon, j'ai suffisamment de personnes, mais... J'aurais quand même voulu aider ceux qui ont refusé de venir, et qui vont certainement crever tout seuls de leur côté. Alors, j'ai rien à faire, là. Hein. C'est marrant que le jeu me prive comme ça d'une épreuve... Où je pourrais utiliser des QTE. Encore un tout petit effort. Ah là. Arriverai-je à persuader cette femme? Ah mais là, je sais pas si c'est pas trop tard quand même. Je parle du bureau du garde du guet. Le feu s'éteint déjà dans ce bâtiment. Attends, mais est-ce que je peux rentrer là à l'intérieur? Non. C'est fermé de l'intérieur. Il y aurait quelqu'un à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien le mec qui est en train de nous parler. C'est le maire, donc, en fait. Oh, le maire, quoi. Tiens, on va faire un truc. Je vais utiliser du dopant, un peu. Parce que je vois que j'ai plus de jauge de... Ah, elle est passée où, la femme? Elle est là-bas, je crois. J'ai plus d'endurance. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tais-toi! Oh! Ah. Voilà, donc, cette femme. Est-ce qu'elle va accepter de venir m'aider? Il y en a deux qui n'ont pas voulu venir. Hein. Une sortie. Mais mon frère, il n'est pas là. Que dois-je faire? Son frère. Je sais pas où il est, moi, son frère, putain. Oh! Ce truc est tombé? La mère et l'enfant doivent être derrière. Est-ce qu'ils vont bien? Oh, un burger! Oh, ça tombe tellement bien, j'avais pris tellement de flammes, là. Ah, par contre, ouais, ça m'a rechargé que de l'endurance. Alors, toi,
Vous, toi, vous, vous êtes venu pour nous sauver? Merci, monsieur. Nous avons entendu le message à la radio. Pardon pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Salope. Comme le maire l'a dit, on doit mettre nos efforts en commun. Vous nous avez tous sauvés. Tenez, prenez ça. Putain, mais c'est cool, ils me donnent tous un kit de soins. Il faut que je réunisse le plus de monde possible. Mais non, 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 mais on va essayer de sauver la nénette là-bas. Mais elle en a. Elle demande après son frère. Or, son frère, j'ai pas vu, il est pas dans la bagnole, je sais pas. Ah, déjà, bah ça. Son frère. Je peux toujours pas rentrer à l'intérieur parce que. On dirait que c'est là que ça veut me conduire. Je vais mourir. Laissez-moi sauver vous, ma soeur. Bon, ok, je sors. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Oh, mais faut le savoir, putain. Je vois, ma soeur est là. Oh, j'ai eu si peur. Vous pouvez aller chercher ma soeur, je vais aller directement vers le bus. Très bien, bah c'est parfait tout ça. C'est parfait, bon. Les gens baissent quand même très facilement les bras dans cet univers, tu vois. Ils sont prêts à crever comme ça à la première occasion. Et il y a mon perso qui commence à avoir faim, c'est chiant ça. Vous avez trouvé mon frère? Merci. Je vous rejoins près du bus. Bah voilà, là je pense qu'on est suffisamment nombreux. En poussant tous ensemble, on peut le bouger. Alors, est-ce que le jeu va me donner le droit de faire un petit QTE pour pousser le bus? Et si ça se trouve, j'étais pas obligé de tous les réunir. Réunir juste la femme et l'enfant, là, aurait peut-être suffi, mais... Voilà, ça me fait des gens en plus de sauver, c'est cool. Ah, pardon, oui, c'est ça, c'est un petit QTE. Je pousse des bus. On dirait une attaque de Ken le survivant, quoi. 3000 points de compétence. C'est comme ça que ça se passe. Et ben voilà, c'est beau. Durée de combat. Nain. Jeunture. Point de bataille. Dégâts subis. Effectivement, secouru. Très bien. Classement général. Héroïque. Héroïque. C'est la première fois. Vous avez sprinté plus de 800 mètres au total. Ah, c'était beau. C'était beau, je suis très fier de moi. Ouais, tiens, on va essayer d'optimiser les armes. Parce que... C'est un peu pourrable, là, pour l'instant. Alors... Ah ouais, je peux avoir un pistolet comme ça, là, qui tue en un coup. Puissant, mais... avec un chargeur pourrave. Ou celui-là. Qui est déjà plus puissant. Il a une puissance de je sais pas quoi. Il a une puissance de, on va dire, 3 points. Sur 5. Et celui-là, il a une puissance de... Je sais pas. J'aurais bien envie de faire ça. Un pistolet qui tue en un coup, je vais tester, tiens. Allez. Accéder à l'écran d'équipement. Non, parce que je vais essayer de l'améliorer un petit peu. On va lui rajouter... rechargement, peut-être, justement. Ah non, ça c'est pour diminuer le temps de chargement. Ah, et chargeur, voilà. Est-ce que je peux en mettre deux? Vu qu'il a un chargeur faible, voilà. Ok, parfait. Non, point, ouais. Ah ouais, je peux vraiment plus. Bon, on va essayer. On va mettre comme ça. Mais non, mais peut-être un petit peu de puissance en plus. Ouais. Ah, annulé, je vais mettre du rechargement, de la puissance et... Et du chargeur. Ok. Là, ça a l'air bien. Là, je suis content. Alors, voilà, c'est bon. PV insuffisant. Oui, mais je sais. Choisir. Nanana. Permuter. C'est quoi ça, permuter? Ah, bah voilà. Ok. Donc, le pistolet puissant. Pistolet lourd, c'est celui-là. Oui, je veux bien du pistolet lourd. Pistolet H. Et si je veux acheter. D'ailleurs, attends. Hey, il y avait un autre flingue là, je l'avais pas vu. Il y a lui, pistolet automatique. Ah non, ça c'est de la merde. Comment je fais pour débloquer des grenades par exemple? C'est possible dans ce jeu? J'ai bien des cailloux. Ah non, mais en fait, c'est ça. Ouais, projectile.
Ah non, y a pas de grenades, c'est juste des cailloux, merde. Mais à quoi ils servent? Tain, c'est comique d'avoir mis des cailloux quand même. Bien. Et bah c'était laborieux. Ah, c'est comme ça que je dirais. Ce soir c'était laborieux, mais ça reste toujours intéressant. Moi j'aime bien. On peut sauver des gens, on peut arroser des fenêtres, on peut manger des lézards. J'aime bien ce jeu. Allez, un petit bonbon. Merci d'être passé, je vous dis à très bientôt. Des bisous, voilà. J'espère que ça vous plaît la survie.